On verra bien derrière cette halakha de fond de chocolat. Amakim Shenaim Totavot. On est dans la halakha de Siman Shin Yud Dalet. Halakha Yud Het. La Paz Shin Ruben. Shin Tzadik Zayin. Le Shabbat. On a changé de ville. Shabbat Kodesh. Amakim Shenaim Totavot Mutar Ola Tet Bahem Be Shabbat Avka Goremet Li Iduk Ashenaim Lachech. Ve'en Bazek Kol Ishuch. Kol Isur. Il nous dit le Rav. Un homme que lui, il y a une machloket, est-ce qu'on doit mettre quelqu'un qui a des dents, un dentier, est-ce que lui, quand il mange la viande, il doit avoir des dents spéciales pour la dent, pour la viande, quand il mange du lait, est-ce qu'il il doit avoir des dents de lait, et quand Pessah, il doit avoir des dents qui sont cachés à l'épaisseur. C'est une chéla dans les poskim. Attendez, je vous fais montrer maintenant, on va rentrer cette halakha là. Mais pour l'instant, dans un dentier, yesh marloket, après le rab, il n'y a aucun problème, parce que les dents, ils sont faits d'une façon que c'est le boléa. Parce que si maintenant c'était boléa, il fallait faire... Boléa, ça veut dire que, comme par exemple, une marmite. Une marmite, tu as mis, tu as cuit la viande. Ça absorbe. Ah. Maintenant, ça vient, la marmite, elle devient sirbessari. Alors, si la matière de la dent, elle absorbe. Alors, il y a marloquet dans cela. Il y en a qui disent que ça absorbe, il y en a qui disent que ça absorbe pas. Ah. C'est pour cela. Ok. Maintenant, ici, nous dit Laura. Amartim Shenaim Totavot. Un homme que lui, qu'il a d'un dentier. C'est Moutar lo la tête, Bahem Shabbat, Avka Goremet. Il peut mettre Shabbat une poudre, que cette poudre-là, maintenant, elle fait. Elle met à deck, ça veut dire qu'elle elle prend le dentier et l'enfonce bien dans le palais. Et il n'y a pas issour dans cela. Tu peux traduire le mot, ça te dérange? Non, ça ne me dérange pas. Quoi? Qui fixe. Markiv, non, c'est pas fixé ici. Markiv, ça veut dire qu'il boite. Il emboîte. Il emboîte les dents. Le dentier. Dentier. Shinaim Totavot, c'est un dentier. Shinaim Totavot, c'est un dentier. Ok. Totevet, ça s'appelle quelque chose qu'on emboîte. Totevet. Comme Barmenan Yad, Totevet. Une main. La Mishnah. Là-bas, c'est Regel Totevet dans la Mishnah. Regel Totevet. Ok. Ça s'appelle Totevet là-bas. Bagbouk misanavim shel te'ot impo, sagour al yede mirse par, ou plastique shel meudak betsavar a bagbouk, ou be'et ptihato, ken, tzadik, nifredet tabat mehahelek atachton shel amirse, mutar lefotcho beshabbat, ve'en isu bemeaseh hafradat atabat shel amirse, mishum mekalkel, shehu asu midei rabanan, vegam, אין איסור משום מתקן כלי מצד החלק העליון שבכך יהיה אפשר להשתמש בו כפקק לבקבוק הרי נודי לרב והמחמיר במידת החסידות לפתוח את הבקבוק ולהפריד את הבטבעת מהמרסה בערב שבת תבוא לברכה בוא, de quoi il s'agit ici? Il s'agit... On parle une bouteille, par exemple, le jus de raisin. Le jus de raisin, hein, quand... Le bouchon, c'est un bouchon en métal. Alors, quand on défait le bouchon, il se casse et il laisse aussi un anneau. Parce que je t'avais dit là pour le. Voilà. On verra maintenant de quoi il parlera. Il dit le rab. Une bouteille ainsi, qu'elle est fermée, ou c'est un bouchon en plastique, ou c'est un bouchon en métal. Et il est bien fixé. Mehudak betsabar abagbouk. Il est bien enfoncé. Dans le verre. Ok? Maintenant, quand tu ouvres le bouchon, il se sépare de l'anneau. Il fredet tabat, mais achel katarton shel amirse. Il dit, le rab, c'est moutar shabbat d'ouvrir ce bouchon-là. Ve'en issou bemaase afradat. Il n'y a pas issou quand maintenant tu sépares le bouchon de l'anneau. Ok? Michou me calquel.
Quel aurait été l'issour? Mikalkel. Quel aurait été le issour si jamais c'était pas Mikalkel? Non, parce que c'est Mikalkel. Mais en issour be maase afarat amir. Attends, tu vas dire que c'est Mikalkel. Mais si c'est pas Mikalkel. Maintenant, tu fais un keli. C'est quoi? C'est un keli. Un, tu fais un keli en haut. Et deux, tu fais... Il y a deux Mikalkel. Il y a un problème aussi. Il y a un autre problème aussi. Il te dit le rab. Il y a du découpé pour les pontiers aussi. Regarde dans les mots. Ve en issour be maase afarat. Il n'y a pas de issou quand tu sépares l'anneau du bouchon. Et là, Michou, mais tu as mécalquel, parce que ça s'appelle mécalquel. Ça va, c'est le coup. Oui, le coup, comme on a de la bouteille. Chez où issou, tu mets des rabananes. Les gammes, un issou, Michou, mais tu as qu'un keli. Et il n'y a pas aussi un issou de faire un keli. Sinon, ça dira. On peut transgresser un issou de rabananes. Non, c'est pas ça. Ça s'appelle pas Issou. Ça s'appelle pas Issou de Rabanan. Mais quelqu'un des Rabanan. Ça s'appelle Issou de Rabanan. Voilà, oui. Ça s'appelle Issou de Rabanan. Ici, il y a pas de Ici, il y a pas de qui coule. Si. Non. Pas comme il a dit. Comme il a dit Yaakov. Yaakov. Mais ça s'appelle pas Issou de Rabanan. Quand c'est mes calquel. C'est Issou de Rabanan. Oui. Mais lui, c'est pas ça qu'il dit. C'est ça qu'il dit Yaakov. Et s'il est en train de dire le Rabanan. C'est ça qu'il dit Yaakov. Tu peux transgresser les Issou de Rabanan. Ici, ça s'appelle pas une sur des rabananes, le fait de calquer les dés. Ça s'appelle quoi ce problème? Ça s'appelle un. C'est pas ouvert à une sur des rabananes ici. T'es ouvert à une sur des rabananes? Non, il te dit non, ça s'appelle pas. T'es pas ouvert? Non, il te dit, ça s'appelle pas une sur des rabananes de calquer. Oui, mais ça s'appelle pas ça. Oui. Ah ben ça devait être. Dans un autre cas qui ressemble à ça, ça sera une sur des rabananes. Pas dans un autre cas. Mais ici, dans le cas de la bouteille, non. Oven, il y en a des poskim qui disent que oui, c'est Issou Mekalkel, mais c'est Issou Mekalkel. Mais pour lui, pour le Rav, non. Il dit que non. Peu importe si c'est en métal ou en plastique. Je dis, il n'y a pas de différence, le Rav. Mais Gam, en Issou, Michou Metaken Keli. Et ça ne s'appelle pas aussi Metaken Keli. Mitzad, Ahelek Ayod, pour le bouchon. Chebekar, Yev, Charles, Ishtamesh, Bo, Kibkak, le Bagbou. Donc maintenant, tu vas l'utiliser autant que bouchon. Alors ça s'appelle pas aussi, mais t'as quel un keli? Va mahmir. Mais par contre, celui-là qui veut être mahmir, mais midat hasidut. De ouvrir la veille de Shabbat. Que c'est plus calme dans une pari, dans une petite bouteille que dans une grande bouteille. Non, c'est pas le cas. Parce que la petite bouteille, tu la vides tout de suite. La grande bouteille, tu vas l'utiliser plusieurs fois, tu vas la remettre au frigo et tout ça pendant tout Shabbat. Non, moi je vais essayer de calmer. Il y a plus le sad de dire que c'est un keli que dans une petite bouteille que tu vas venir. Mais non, mais parce que le bouchon, c'est un bouchon, c'est une petite grande bouteille. Les poskim, ils veulent dire, si c'est une canette, les canettes d'aujourd'hui, les canettes d'aujourd'hui, attendez, la canette d'aujourd'hui, si maintenant, puisque la léchonite, la léchonite, c'est la langue, la petite langue. Est-ce qu'on ne met pas en place? Non, elle descend, elle ne se casse pas automatiquement en entier. Puisque maintenant, elle se casse un peu, là, ça s'appelle Mouta, même d'après presque tous les poskim. Presque. Tout. Ça, c'est Mouta. Non, Mouta, tout. Mais c'est Mouta. Pas tout, c'est Mouta. Presque tout le monde. Pourquoi? Parce que tu fais pas un keli. Il est cassé, il reste comme ça, c'est pas un keli. C'est pas vraiment un keli. Et deux, d'après Ravadi, Rav Sagosel, d'autres poskim aussi, ils permettent. Pourquoi? Parce que c'est jetable. Les Ashkenazim, ils sont mahmirim dans cela, parce qu'ils disent ça s'appelle Mamaké Mepatish. Ah, mais les Ashkenazim, même on ne bouffe pas entièrement le truc, c'est bon, parce que comme c'est un. Il n'est pas fini, on ne l'a pas bien fait, alors on dort. Exactement. Ok. Donc on est nus. À Valma, il faut savoir qu'un grand colis qui peut préparer la veille de Shabbat, c'est mieux de préparer la veille de Shabbat. Chargeable. Ok, c'est mieux. Gab, il ne moute pas son totiot à l'abkak. Je ne peux trop l'icot en tiot, à Fapiren, moutard, il faut trop l'iftor à l'abkak. Et si maintenant, il y a des écritures, des fois dans les canettes, il y a des écritures, des tampons, comme une sorte de tampon, là, comme ça, tu peux utiliser jusqu'à telle et telle date. Et le fait que maintenant, tu casses, tu effaces. Alors, il te dit le rab, même que si tu effaces, un, tu n'es pas mis de kaven. Et c'est moutard, et en la couche mille, michoum mochek. Et aucun problème, michoum mochek. Et en moutard, il croit, n'y a plastique. Chez Kaour, suivez Abkak, chez le bakbouké à Yain. Il y a des fois, qu'il y a des bouteilles de vin. Cette bouteille de vin là maintenant, il y a aussi, avant qu'il y ait le bouchon, en charme. En liège.
en liège. Il y a aussi autour du bouchon en plastique. C'est écrit aussi des écritures. Maintenant, quand tu coupes, tu enlèves en haut ce bouchon-là qui est en plastique, qu'est-ce que tu fais? Ça s'appelle Memahek, attends, Mohek, pas Memahek, Mohek. C'est-à-dire que tu effaces. Et c'est assoudre d'être effacé. Il te dit, le rasse, ça s'appelle pas effacer ici. Parce qu'il n'y a pas d'effacer pour écrire, je crois. Voilà. Et en premier, tu vas me dire d'effacer. Ce n'est pas l'issou de Torah, c'est l'issou des Rabbanan quand même. Tu dis, non, même pas l'issou des Rabbanan. D'effacer, c'est... on finit là, la Hamechila Yarden. Ah! Mimidat, Hasidut, Tov, Likoua, Veliftoa, Bagbouk, Merev, Shabbat. Selon la halakha, c'est moutard. Mimidat, Hasidut. Et je vous dis entre parenthèses, les bouteilles de vin, c'est bien de goûter la veille du Shabbat. Pourquoi? Goûter? Ah oui. Mitzvah. Pourquoi? J'ai entendu ma halim sur le Shabbat, mais je prends bon. Mais la bouteille de vin, pourquoi c'est mitzvah aussi? Pourquoi c'est bon? Pour boire, voilà. Parce que si maintenant tu vas faire boire à Geffen et le vin il a viré, si le goût il n'a pas viré mais ça sent une odeur, ou la maintenant il y a la halakha, elle nous dit, vous faites très attention à cela, des fois ça va être bracha levatala, et tout le kiddush, il faut que tu le répètes. Des fois il y en a qui disent que non, tu ne répètes pas, tu vas boire à Geffen, tu répètes, mais quand même, tu l'as dit, et quand même, tu rentres dans un problème, qu'est-ce que tu fais avant? Tu prends la bouteille, tu l'ouvres, tu goûtes. Il faut savoir, quand on veut goûter, on ne fait pas la bracha. Si tu veux boire le vin, tu veux boire, là tu fais la bracha. Mais si tu goûtes pour goûter, même que tu avales, c'est mouta. Arrête, tu goûtes. Mais si tu sais qu'à 99%, tu sais qu'elle est bonne la chose. Là, vous avez fait du vin maintenant. Prends la ligne. Tu goûtes, d'accord, tu veux goûter, tu veux être sûr que c'est bon. Mais... en vrai, tu sais que c'est bon. Ken, alors? Tu veux la boire autre? Quand tu goûtes? Tu veux goûter ou tu ne veux pas goûter? Mais à 99%... Goûter, mais sûr, c'est tu veux goûter ou tu ne veux pas goûter? Je veux goûter. Tu ne goûtes pas pour voir si c'est bon ou pas? Je veux voir si... C'est ça le problème. Le problème, il n'est pas la valeur. Tu goûtes. Est-ce que tu manges ou est-ce que tu goûtes? C'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux dans ta tête? C'est quoi? Je veux goûter le plat? C'est assuré de faire la bracha. C'est l'origine, il ne veut pas dire qu'il mange. Si tu dis à ta femme que tu goûtes, mais en fait tu manges. Goûte. Tu fais la bracha. Moi j'ai pas qu'il y a des trucs qui gâchent. Je ne sais pas si c'est bon. D'accord. Alors si le bonhomme veut goûter, même qu'il avale, il ne fait pas de bracha. Si le bonhomme veut manger. Si il veut faire la bracha. Alors ne te dis pas dans la tête que tu dois faire. Que tu veux goûter. Il faut que tu veux manger. Quel est le vignan? Parce qu'à ton aim, un autre aim bracha. Et par contre, quand tu es est-ce que maintenant tu dois avaler ou tu dois le reprocher? Parce que si c'était pas bon, tu aurais pas mangé. Là, je comprends. Si il goûte deux ou trois fois, il goûte plus que le sucre. Mais tu goûtes. Ah oui, voilà. Quoi? C'est pas mieux. C'est rapide. Non, mais il va prendre une cuillère entière, il va avaler, il va manger. Il va dire je goûte. Non, il n'a pas bien goûté. Il doit regoûter pour être. Un bail. Il goûte. Un choumbaï. Non, mais c'est la limite, j'aurais compris. Un grand problème. Il ne devrait pas faire un chewing-gum. Si il y a du sucre, il y a des chimiques, des composants chimiques. Oui, mais il y a des sortes de jus. Puisqu'il y a du sucre aussi, du glucose et tout cela, alors on doit faire la bracha. Mais si maintenant c'est un chewing-gum qui n'a pas de sucre, il n'y a pas de jus dedans, alors celui-là qu'il veut mieux, celui-là qui veut bien faire, sinon on ne fait pas la bracha. S'il n'y a pas de jus, mais il faut savoir que s'il y a du jus, on fait la bracha. On fait chez Akol Niyavid Baro. Mais quoi, du jus? C'est dans le chewing-gum, des fois, Il met des chewing-gum, avec ta salive, ça fait un jus. Non, ça, c'est. Il y en a qui veulent dire que puisque tu fais ça avec ta salive, alors tu ne fais pas la bracha. Mais puisque maintenant, dans le chewing-gum, oui, ils mettent des ingrédients dedans, que c'est du jus, tout cela. Mais là, tu dois faire la bracha. Le chewing-gum d'aujourd'hui. Comment? Il y a des chewing-gums où il y a un minute dedans. Voilà, d'accord. Il dit maintenant, il y a des chewing-gums qu'il y a un contenu dedans. Mais là, il faut faire chez Akol. Ah ben celui-là que lui, maintenant, il est dans un doute dans le chewing-gum. Prends un jus ou prends de l'eau si tu as soif.
De l'eau, si tu as soif, pour faire la bracha. Si tu n'as pas soif, tu ne dois pas faire la bracha. D'accord ? De l'eau, si tu as soif, fais chacol, tranquille, maintenant le chumbum. Si tu veux bien faire. Ah ben la halakha, elle dit, si maintenant ce chewing-gum là, maintenant, il n'a pas de goût, comme on a, il n'y a pas de... On va parler d'elle entre je goûte le pain de chevette et je prends le chewing-gum. Tu l'avales. Alors là aussi, tu l'avales. C'est-à-dire, mais ça, si c'est Torah-M, parce que la machloket est dans la Mishnah, est-ce que à Torah-M, mais varech ou l'eau, après la halakha, l'eau mais varech. Ah, mais non. C'est pas à Torah-M ? Non, c'est pas à Torah-M. Non, c'est à Khilas. Il ne mange pas. Non, mais c'est bien. Non, l'eau toem, mais c'est toem. Le chèque, il est néné. C'est tout. Mais tu ne veux pas l'évloire, tu ne veux pas l'évloire. Parce que, mais c'est bien quand tu es néné. Quelque chose que quand tu tiens profit. Et un adam néna, mais voilà, mais c'est bien le bracha. Si maintenant tu dois faire, tu dois être néné, il faut faire la bracha. Le chewing-gum, mais tu es néné, mais c'est. Tu veux tenir profit. Mais tu veux goûter, c'est alors néné. Tu veux goûter. Mais là, tu ne peux pas être mévarech. Maintenant, est-ce que tu peux avaler ou tu ne peux pas avaler? Là, à la fin, on peut avaler. Deux chez là. Une en rapport avec la fin, mais une. On a parlé de découper pour le vin, c'est le classique. Je peux utiliser l'appareil qui sert, enfin le truc qui sert à découper pour le. Tu sais, des fois, il y a vend des trucs. Ouais, on c'est un petit truc comme voilà. Ça, et tu fais comme voilà. Ça. C'est moutard à zéro ou c'est pas moutard? Tu sais, des fois, t'as les, devant les découpes plastiques pour les goûter devant un rond comme ça, tu tournes la bouteille comme ça, ça te coupe bien le. Ouais, comme ça, ça fait un rond bien. Et après, tu enlèves le plastique. Et après, tu mets le bouchon. C'est comme tu as utilisé un couteau. Non, comme j'ai dit, non, mais c'est des fois, quand on met le plucheur, chez des fois, les plucheurs, on peut des fois l'utiliser, des fois, on peut ne pas l'utiliser. Alors, quelle est la plucheur? Le plucheur de légumes. Ah, la plucheur de légumes, c'est autre chose. C'est pour ça que j'ai dit ça, peut-être de découper bien. Est-ce que c'est moutard enfin? Ouais, il faut que je vérifie ça. C'est là, pas chou. Et deuxième chez là, les pastilles à goût qu'on met dans la bouche, comme ça, qu'on a mal à la gorge. Si c'est naïm l'acher, si c'est naïm, si c'est doux, c'est pastille là maintenant, ce pastille n'est pas doux. Il y a un goût, bien sûr. C'est un médicament aussi en parallèle, c'est pour ça que je dis ça. C'est un médicament, tout médicament qui a un goût. Ah, tu l'as fait un goût. Ça marche pas. Même ta fille, tu l'as fait voir ça sur la table. C'est là que tu regardes par là. Il y a un problème maintenant, tu rentres dans un machloké. C'est mieux de prendre un mitz et faire chez Akol dessus. C'est pas évident. Il y en a qui disent que, mais sauf toi, tu es néné. Puisque tu es né, tu as servi la barrière. Médicament avec un goût, c'est bon. Mais barrière, parce que. Un médicament. Ah, pas chaud, ça. Mais si c'est doux, il y a sûrement que tu as servi la barrière. On a les sirops à l'orange ou au miel. C'est un problème. Moi, c'est pas sûr. Non, mais c'est chez là. Mais vous avez posé des questions là sur le chewing-gum, sur les goûter et manger. Je suis pas sûr. On continue encore une autre à la ha. J'ai dit avant de poser des questions. Tu viens comme ça. Ok. Sakiot chala vechen chavilot mazon. Sgurot va'atufot benia. מותר לקרוע את השקית או את הנייה בשבת כדי לקרוע משם המזון. ובפרט אם עושה כן דרך השחטה וקלקול. כן? לסשה דולה. En Israël, c'est pas comme en France, il y en a aussi un sachet. Maintenant, quand tu vas couper, tu coupes avec un ciseau. Maintenant, mais en général, on le coupe. Il y en a qui le coupent avec les dents. Ken? Ken? Vechen Chavilot, maintenant, où il le coupe avec ses mains. Quand c'est fermé, ou c'est enveloppé avec un papier, c'est moutard de... Pourquoi le lait, il est enveloppé avec un papier, non pas. Non, là, peut-être que le lait. Là, peut-être que le lait. Tu vois ça? Tu vois ça? Oui. Va faire, d'accord? Qu'est-ce que tu as fait là, maintenant? Tu as ouvert, c'est une ouverture. Moutard lecha? Ça s'appelle Derech Hashchata. Puisque maintenant c'est Sepet Derech Hashchata, t'as c'est à Sadava, tu fixes quelque chose de bien. Attends, c'est la paye à fait. Tu fais ça rien que pour prendre maintenant le manger qu'il y a dedans. Hashchata, c'est quoi? Hein? Hashchata, ça veut dire. Shrita. Non. Le mot Shrita. Non. Shrita, c'est avec un tête. C'est Hashchata, c'est avec un taf. Hashchata, ça veut dire de. Détruire. Voilà, comme détruire. Ouais, mais alors, il y a une baïade dans le halav qui n'est pas de l'eau conservation alors. Ouais, non, alors il y en a qui veulent dire que si tu fais un keli, même que, mais alors, nous d'après séparat c'est moutard, pourquoi? Parce que tu fais ce keli là, c'est pour jeter, c'est pas un keli pour jeter. Pourquoi? Pour les séparat c'est moutard dans les briques de lait? Le lait, ok. Ah. Tu vas le jeter ça après. Oui, mais tu vas le jeter. Ok. On a fini ça. Okay, how's that going?